2 millions de Français seraient touchés par ce qu'on appelle le Covid long. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Les chercheurs tentent toujours aujourd'hui de comprendre et de soigner cette maladie. Désormais, il n'est plus question de parler d'une maladie psychosomatique comme il y a quelques mois encore. On va en parler avec nos invités. Bonsoir, merci beaucoup l'un et l'autre d'être avec nous. Véronique Letiec, vous êtes atteinte d'un Covid long depuis mars 2020. Vous comptez les jours, c'est oui, ça J. doit être à peu près 950 jours. 950 jours. Le docteur Nicolas Barizian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de Covid long, comment s'en sortir aux éditions Marabout. Vous êtes chef de service à l'hôpital Foch et vous faites partie du collège d'experts de la Haute Autorité de Santé. C'est dire que vous êtes calibré pour essayer de nous aider à y voir plus clair. D'abord vous, Véronique, votre Covid long, il a eu des répercussions sur votre vie professionnelle. Quels sont les symptômes de ce Covid long? Alors, les symptômes sont très nombreux. Il y a la fatigue en permanence. Pour moi, une dyspnée, ça dure une difficulté à respirer, des palpitations cardiaques. Quand je suis trop fatiguée, un brouillard cérébral, c'est-à-dire que je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à écrire, je n'arrive plus... Je perds mes mots. J'ai eu l'absence de faim et de satiété. Quand d'autres ont eu perte de goût et d'odorat, moi, c'est pas là que ça s'est situé. C'était plutôt digestif. Voilà, digestif. Des douleurs articulaires et musculaires, mais à hurler tellement ça fait mal. Et ça vous a amené par deux fois à être en arrêt de travail pendant 6 mois? Alors, j'ai eu deux périodes de 6 mois où j'étais quasiment incapable de travailler. La première, ça a été au moment du confinement, donc j'ai pu continuer à travailler en distanciel. Je me reposais et quand je pouvais, je travaillais, enfin, je corrigeais le travail de mes élèves. Et j'ai eu un deuxième Covid en octobre 2020. Et là, j'ai été clouée au lit pendant 6 mois. Là, je n'ai pas travaillé. Docteur, des patients comme Véronique, on leur a dit, et parfois on leur dit encore aujourd'hui, que les causes, elles sont psychosomatiques. Aujourd'hui, la science revient là-dessus. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus raisonnable de parler de maladie psychosomatique. À la fois, les symptômes que décrit Véronique sont tout à fait typiques avec la fatigue qui est vraiment le maître symptôme, mais pas la fatigue parce qu'on n'a pas bien dormi. Hein. Une fatigue épuisante qui vraiment vide les gens de toute leur énergie physique, psychologique et même cognitive, c'est-à-dire l'intelligence. On parle de 2 millions de Français, c'est à peu près un tiers des personnes qui ont contracté le Covid. Quelles sont les causes de ce Covid long? Alors, pour l'instant, justement, la science continue à chercher sur des hypothèses qui ont été émises assez rapidement sur des modèles que nous ont transmis nos médecins aînés avec ce qu'ils avaient vécu face à l'épidémie de sida, existe-t-il un virus qui persiste dans l'organisme? Est-ce que ce virus a déclenché une inflammation? Parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont mortes d'orages inflammatoires en soins intensifs. Est-ce que ça a provoqué de l'auto-immunité où en fait on fait des anticorps contre soi-même? Et ça ressemble à des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, qui sont des maladies chroniques. Et donc ces pistes-là, elles ont été émises rapidement et la science avance et vraiment depuis cet été, on a la confirmation de deux choses fondamentales, qu'il y a une sidération de la sécrétion de cortisol, donc c'est l'hormone d'adaptation au stress qui explique en grande partie la fatigue, et deuxièmement qu'il y a une perturbation du système immunitaire. Alors quand vous parliez d'état inflammatoire, on parle souvent digestif comme vous le disiez, ou alors du cerveau, c'est cette perte d'odorat, de goût, des problèmes de mémoire, de régulation aussi des émotions. Vous, dans les premiers temps de la maladie, il y a une chose qui vous a fait du bien, ce sont les anticoagulants, ça vous a soulagé? Alors pas au début, en fait j'en ai pas du tout eu, je sentais que j'avais les jambes lourdes, je sentais que j'avais pas besoin de Doliprane par exemple, et j'ai même appelé le 15 en disant est-ce que je peux prendre de l'aspirine, je sens que c'est ça dont j'ai besoin. Ils m'ont dit au début on n'avait pas le droit de prendre des AINS, enfin des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on m'a dit non, vous ne prenez pas. Et puis à l'été 2020, il y a quelques malades qui ont testé l'aspégique en dose enfant et il y a eu des très bons retours. Et quand j'ai eu mon deuxième Covid en octobre, j'avais tellement mal. J'ai eu l'impression qu'il y avait des ailes qui me poussaient entre les omoplates, tellement la douleur était intense. Et
je me suis dit, je vais prendre une dose d'aspirine enfant que j'ai à la maison. Et la douleur, vraiment, s'est atténuée. Et donc, j'en ai parlé avec mon médecin. Je lui ai montré les témoignages, les études que je pouvais trouver. Je lui transmets par mail toutes les études que je lis. Et petit à petit, on adapte le protocole. Donc, c'est depuis octobre 2021 que je suis quotidiennement sous aspégique enfant. Véronique, elle dit beaucoup de choses. D'abord que c'est très spécifique en fonction des uns et des autres, ouais. qu'elle travaille en étroite collaboration avec son médecin traitant. Aujourd'hui, vous vivez un semi-miracle puisque vous avez fait une troisième dose de vaccin début septembre et aujourd'hui, vous vivez beaucoup mieux. C'est spécifique à Véronique, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Non, à la fois sur l'expérience avec l'aspirine. L'aspirine, certains médecins se sont dit, voilà, les symptômes, ça ressemble à de la grippe. L'aspirine, ça marche très bien dans les symptômes de la grippe. Essayons. Sauf qu'au début, on avait peur de faire des bêtises. On ne connaissait pas ce virus et donc il y a eu une réticence à utiliser ces produits relativement simples mais qui peuvent avoir des complications assez importantes. Et donc voilà, ça avance. Et sur le vaccin, sur la vaccination, les patients qui souffrent de Covid long, qui se font vacciner, c'est un petit peu la roulette russe. Il y en a qui vont être très améliorés par le vaccin. Il y en a à qui ça ne va rien faire, sauf à leur donner une immunité pour se protéger d'une nouvelle infection. Et puis malheureusement, il y en a aussi qui vont s'aggraver, qui vont refaire une rechute à cause de la vaccination. Donc c'est très très difficile de conseiller à une personne ou à une autre de dire vous devez vous faire vacciner ou pas. Alors on avance un petit peu là-dessus, c'est pareil. On demande maintenant d'essayer d'avoir le taux d'anticorps qu'ont les patients pour savoir s'ils ont déjà un taux d'anticorps très très élevé. Et là, on sait qu'ils sont protégés contre une infection. Et on va se dire, on va peut-être attendre un petit peu pour faire ces vaccinations, ou si au contraire, ils n'ont plus d'anticorps contre le Covid, et à ce moment-là, on sait qu'ils ne sont pas protégés contre une nouvelle infection. Vous faisiez un peu la comparaison avec le sida, en estimant aujourd'hui que du coup, ça va être très long pour pouvoir soigner ces 2 millions de Français. Et vous disiez aussi que du coup, pour le sida, c'était avoir le virus encore en soi, mais on ne sait pas exactement où. C'est peut-être le cas d'une des hypothèses possibles. Ça demanderait des antiviraux. Ça, pareil, c'est compliqué encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Dans votre ouvrage, ce qui est assez intéressant, c'est que vous donnez des solutions, des pistes en attendant pour aujourd'hui. Et c'est faire du sport, c'est surveiller sa nourriture. Ça a un impact? Oui, tout à fait. Alors, ce pourquoi j'ai écrit ce livre avec mon collègue Laurent Usan et Marie-Pierre Samitier, c'est qu'on était dans une période où on n'avait aucune solution thérapeutique de médicaments à proposer aux patients. Et on voyait que les prendre en charge, les accompagner psychologiquement, rééquilibrer leur alimentation, parce que pour certains, ils avaient perdu 5-6 kilos. Moi, j'ai pris 10 kilos, voilà, en fait. Ou le contraire, donc les aider là-dessus, c'était important. Et que dans les programmes de reconditionnement à l'effort, on voyait que les patients allaient mieux. Mais, comme ce n'est pas simple, certains patients faisaient des exacerbations de leurs symptômes après les efforts. Et donc, il fallait vraiment adapter avec le kiné, avec le médecin, comment le patient supportait la thérapeutique qu'on lui proposait. Merci Alain et l'autre d'être venus ce soir sur France Info. Vous avez un signal d'alarme que vous partagez tous les deux, c'est que si vous pensez avoir des symptômes, allez consulter, faites-vous connaître. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas de la dépression. Ça vous permet d'avoir des cohortes plus importantes et de faire avancer la science. Il ne faut pas, comme certains ont pu éviter d'aller chez le médecin à cause de ce qui a pu être dit ces derniers mois. Et c'est peut-être le grand message de ce soir. Tout à fait. Et merci à vous deux.